Plop les gens, du coup, de retour sur Dandara. Déjà 9h de jeu. Et normalement, on va faire la 10ème heure. Voilà. Je pense qu'on n'est pas trop loin de la fin. À voir ce qu'il nous reste à faire. Alors. Oui, la mascarade. J'étais fatigué. Du coup, je sais plus ce qu'il y avait, de la propagande de couleurs vives. Manque d'objectifs et de considération, mal payé et free, rejoignez la mascarade. Ouais. Là, c'est quoi ces masques? Tous hilares et se ressemblent énormément. Leur joie figée à quelque chose d'inquiétant. Il y a trois, je crois, qui sont tous tristes. Si je me souviens bien. Donc la mascarade, on avait déjà commencé la dernière fois. Ici, que je me souvienne, on commence par là. On remonte et on doit faire tout ça avec ici le gros passage dangereux avec les lasers pour mettre à cet endroit-là plus ou moins les esprits rouges. Ok, ça commence très bien, je sais pas viser. Alors là, ça va être juste un tour un peu pour rien, parce qu'il va falloir re-tuer tous les ennemis pour me rendre compte. Enfin, pour faire le passage, quoi. Il disait quoi ici? Ces boîtes contenaient des tracts colorés représentant des silhouettes masquées, le doigt tendu vers l'observateur, sous le titre Rejoignez la mascarade. Elles sont entourées de lettres épaisses en couleurs vives qui disent Revêtez le masque aujourd'hui et faites partie de l'élite du sel. Alors. Voilà. Donc là, on a déjà perdu. Mais ce qui compte, c'est de se faciliter les prochains tours. Non. Je repasse bien pour être sûr d'avoir eu tous ceux qui sont... mince. Qui sortent du mur là. Ils sont très gênants. Ah oui, j'ai pas de rouge, donc là, il m'embête pas. Enfin, j'ai pas le... J'ai pas l'habit... Et du coup, il faut venir poser là. Ouais, c'est bon. Bon, je me souviens à peu près. Je sais pas pourquoi j'ai envie de passer là. Très mauvaise idée. Il n'y a pas pire comme idée. Je sais pas pourquoi j'ai voulu agresser ces gens-là. Surtout par ici, j'aurais pu aller par l'autre côté qui est plus tranquille. Maintenant que j'y suis, je vais finir. Mais... par là, j'aurais dû faire demi-tour une fois que j'ai tué lui, le premier. Voilà, on reprend une potion du coup. On a déjà gaspillé deux potions. Juste pour tout se remettre en tête, mais bon. Et encore, on s'est pas remis en tête la partie qui bloquait vraiment la partie du... Oula.
Alors. Oh punaise. Donc je disais, la partie dure, je ne l'ai pas encore en tête. Après une semaine en même temps. On ne s'attendait pas à autre chose. Ici dans les boîtes, alors on s'en fout. Non! Oh punaise. Oh, je peux passer par en dessous, d'accord. C'est dangereux vu qu'il y a les pics en dessous qui passent, mais je peux. Non, je suis allé trop loin. Je l'avais. Si vraiment je passe un épisode entier là-dessus, déjà l'épisode s'appellera très certainement Tourner dans le vide. Donc spoiler, si le titre c'est ça, peut-être que ça sert à rien de regarder la suite. Ou préparez-vous à devoir sauter au moins un bon passage. Et peut-être que je rajouterai la musique de je sais plus qui déjà. Tourner dans le vide, vide. Parce que si vraiment c'est le cœur du gameplay de cet épisode, ça sera faire des tours en rond pour pas grand chose. Hein. Si du coup faut rebattre les ennemis ou pas. Juste avant il a fallu rebattre parce que j'ai redémarré le jeu, donc forcément. Il va falloir tous se les refaire. Ça disparaît, c'est relou.
Je vais garder la villa pour tout à l'heure. Si je repète pas un câble comme juste avant. Parce qu'il me restait des potions, hein, c'était pas perdu non plus. Dégager, que j'ai toutes mes vies. Pourquoi des fois il y a ce truc là qui est gênant, des fois on le voit pas du tout. Enfin la plupart du temps on le voit pas du tout. Je serais curieux d'avoir l'avis des speedrunners là-dessus. Ou d'autres gens qui connaissent bien le jeu. Et non! Je sais pas si là ça ne fait rien. Mais non! Allez, on va y arriver. C'est pas censé être un des plus gros challenges du jeu, ça quand même. Et des boss fights. Les fights sont censés être plus durs que juste une partie platformer. Enfin, j'espère. La partie platformer, t'as pas le droit de te faire toucher, alors que les boss fights, si. Allez. On se concentre, on va pas trop loin parce qu'on sait pas où le laser commence. Potion alors que j'aurais dû. Je comprends pas quand même ce pic de difficulté au niveau précision. À moins que je crois que ça soit un endroit obligatoire et que ça l'est pas.
enfin que c'est la suite de l'aventure alors que ça l'est pas. Mais ça ressemble beaucoup à une suite d'aventure. C'est bon, j'ai eu les trois. Mais en plus, ça ressemble un petit peu à du mal codé, vu que là, on voit pas du tout où commence la zone, mais on peut se faire détruire. Non! Par contre, la partie où le laser de gauche, enfin le laser de devant avance plus lentement que celui de derrière, ça, ils l'ont bien maîtrisé. On est d'accord que là. Ouais. Y a pas vraiment moyen. Alors. Tout là, on peut s'endormir tranquillement. Et juste ici, il faut faire super gaffe en n'ayant jamais le même angle vu que ça se resserre. Punaise! Sur un petit coup de stress, j'ai réussi. Ça ne m'aura pris que 17 minutes. Ne pas aller au mauvais endroit, sinon c'est dommage. Je le reprends, mais pourquoi pas. Donc j'ai cette salle à droite que je ne connais pas vraiment. Je me souviens même plus à quoi elle ressemble. J'ai aucun accès nulle part ailleurs, donc il n'y a vraiment que là à aller. J'y étais rentré vite fait, mais je crois qu'il n'y avait aucune surface à laquelle m'agripper. Donc j'étais parti. Bien logiquement. Alors, ici. Ok, il y a les jumpscares là, les... Notre ennemi là. On est où? Ok. Ok. Ok.
Non, là, c'est ce que j'ai fait déjà. Je vais passer par en pas ici. Oui. Est-ce que je suis passé par en haut partout? Bien sûr que non. Je m'en doute. Je vais prendre la potion quand même avant de mourir pour rien. Maintenant que le passage est ouvert, ça sera pas trop gênant, mais... c'est pas utile. Donc là, on aurait pu passer directement. Ouais. Je suis ici, là, justement. Je suis ici, j'aurais pu passer directement, mais... ok, c'est bon, j'ai tout exploré, il n'y avait rien d'autre. Encore cet œil pourri, là, qui me guette. Secret derrière les masques. Donc on va avoir la réponse, on va savoir quel méchant se cache là. Sens là. Ça m'a l'air d'être le sens inverse des boules. Et vu comment j'ai été chaud tout à l'heure pour toutes me les prendre et en esquiver aucune. Je pense que c'est mieux. C'est quoi ce nouvel ennemi? Ah, il est pas gentil le jeu. Nouvel ennemi et... la salle change en plus difficile et nouvel ennemi. Deux grosses difficultés d'un coup. Ah mince. Là. Potion, ouais. Même si les pics avançaient lentement, on aurait pu introduire l'un puis l'autre, quand même, comme difficulté. Punaise, les petits trucs. Ok.
Ah! Voilà, là, là c'est le même ennemi qu'on vient de découvrir, mais la... la salle reste la même. Non. J'aurais pu repasser par en bas, du coup je vais repasser par en bas déjà pour la prochaine fois que je meurs. J'aurais plus le réflexe. Et en plus j'avais pas envie de faire la grosse salle avec pas mal d'ennemis. Secret à ne pas divulguer. Secret derrière le masque. Et là, c'était... C'est ça, hein. Secret à ne pas divulguer. Ok. Donc le secret à ne pas divulguer, c'est le secret derrière les masques. En tout cas, c'est ressemble. Non, j'ai dit dans l'autre sens. Déjà que je fonce dans l'ennemi pour rien. Alors, on va essayer d'esquiver. C'est bon. Ah, mais il est pendu là. Ah, j'avais pas fait gaffe qu'il y avait des gens torturés un peu partout. Déjà que la mascarade, je me doutais que c'était des masques, genre on leur a retiré le visage et ça fait un masque ou un truc comme ça quoi. Bienvenue dans Game of Thrones. Désolé, spoiler, mais... Ok. J'espère que ces boules de venin là, elles vont pas rester infiniment. Normalement, elles restent pas infiniment, mais pour le prochain round, qu'elles n'y soient plus. Ça c'est bon. Ça s'est plutôt bien passé. J'ai pas fait.
fais gaffe aux deux ennemis rouges derrière. Faut que je m'éloigne, faut que je m'éloigne. Commande du sel, succès. Il y a deux ennemis. Ah ouais, non mais là la difficulté elle est... Waouh. Elle augmente énormément quoi. C'était plutôt la fin. Secret derrière les visages. Coquillage. Il y a moi. Il y a un miroir. Miroir coquillage. Le miroir coquillage permet à celui qui le détient de regarder la peur droit dans les yeux. Regarder la peur droit dans les yeux d'ailleurs. J'ai pas regardé c'était quoi le succès. Donc celui-ci c'est évidemment affronter les dangers des royaumes cachés et obtenir le miroir coquillage. Et le succès d'avant je verrai tout à l'heure. Le miroir brille fortement, comme s'il se languissait d'un destin qui ne s'est pas encore accompli. Ah. Ah, on peut les traverser maintenant. Ah. Compliqué cette zone. Hein. L'ascenseur refuse de bouger. Le miroir coquillage brille fortement. Il vous pousse à aller ailleurs. Oui, désolé. Vraiment compliqué cette... Faut être précis. De toute façon, je peux pas utiliser. Donc là, je suis passé à travers les deux yeux. Et je peux donc ouvrir le passage. Donne masse de thunas. Ça qui est bon. J'ai l'impression que maintenant il y a plus de yeux juste pour que... Non, 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 je m'en vais. Juste pour que je puisse me venger. De tout ce qui
m'ont fait subir. Ouais. Non. Je voulais sauvegarder. Souvenir. C'est là. Miroir coquillage. Le miroir coquillage permet à celui qui le tient de regarder la peur droit dans les yeux. Et donc, ça c'était quoi? Une boule d'énergie anxieuse, son choc électrique peut détruire tout ce qu'il touche. D'accord. Je me souviens pas du tout l'avoir eu. Et il manque quand même encore un objet. Dandara, est-ce que je peux level up? Légèrement, j'ai 23 000. Oui, je crois que le succès c'était en rapport avec ça, je regarde rapidement. Aux commandes du sel, portez plus de 20 000 requêtes de sel, du sel à la fois. Je crois que du coup je les ai tous. Enfin, il y a 3 succès cachés, mais j'ai déjà 3 succès bronze, argent, or, où il faut avoir 8 000, 13 000 et 20 000 requêtes du sel. Donc je suppose que je les ai tous. Je vais pas économiser juste pour économiser de toute façon. On augmente ça 2 fois. Ouais, on va augmenter. Alors là, est-ce qu'on augmente un peu l'énergie? Je pense qu'on peut augmenter un peu l'énergie et un peu la vie encore. Là, on va sûrement augmenter un peu les deux en simultané. Ou si j'ai remasse de thunes, j'augmenterai l'énergie tout d'un coup. Enfin, l'énergie tout d'un coup. Voilà, alors toute cette zone c'est fait. Je peux essayer d'aller voir ici, je sais plus là où je suis bloqué, qu'est-ce qui me manque. Je me souviens juste ici c'était de la longueur, je crois. Non, je suis pas certain pour les deux passages. C'est déjà la semaine dernière, mais je retrouve plus l'endroit. Il y a un endroit avec les... Là, je suis juste bloqué et je crois qu'il faut que je vienne depuis l'autre côté. Ah non, c'était le mauvais bouton. J'ai l'impression qu'il faut que je vienne depuis l'autre côté ici. Que l'interrupteur est de l'autre côté de mémoire. Oui, c'était là. Là où il y a des... Il y a 3 roues avec des masques de la mascarade. Et on n'arrivait pas à les avoir. Ah, mais peut-être qu'avec... Bon, on va se reposer. Peut-être que justement avec l'attaque que j'ai équipée là, ça attaque le centre et peut-être que c'est suffisant. Alors que je faisais avec les pics qui mettent peut-être plus de temps à faire le trajet. Ah oui, hop. Non. Je me suis trompé. Je sais plus quelle touche il faut utiliser alors que je l'ai utilisé juste avant. Ok, c'est bon. Alors, Ah oui, et là il n'y a rien. Si je regarde la carte, c'est pas comme si c'était bloqué ici. C'est un peu étrange. Alors c'est quoi ça? Royaume caché, oui. Je crois que c'était là. Hein. Oui. Clairement là les yeux, ils me bloquent quelque chose. Vu le... gros boom qu'il y a à chaque fois, j'en détruis un. Il y a une page rouge arrachée à un carnet sur le sol. Elle est couverte d'une belle écriture. Le jour tant attendu est arrivé. Eldar nous a demandé une audience. Nous avons revêtu les masques par moquerie. Nous avons tout fait pour qu'il ne puisse pas nous ignorer. Pour le défier. Mais à notre surprise, il s'est montré étonnamment aimable. Il a même plaisanté. Nous avons passé un agréable moment.
Les masques semblaient nous protéger, nous galvaniser face à sa violence. Nous n'avons pas tardé à entamer les négociations. Je me souvenais de ce passage narratif. Vers la récompense du courage. Si la récompense s'appelle la récompense du courage, j'ai peur de dire que c'est plutôt la récompense de la folie. De potions, j'ai pas fait gaffe. Il n'y avait aucun endroit où on était plus ou moins safe pour les attaquer. Ou alors faut les aggro et après revenir en arrière. Ce qui est possible. Oui, là. Ok. Ah, et du coup, maintenant que j'étais bloqué en butant tous les yeux, les tentacules, elles sont vraiment parties, quoi. Elles restent... Là. Non, non. Je m'en vais. Courage, fuyons, hein. J'ai pas fait gaffe à ma vie. J'espère que les deux corps resteront là. De toute façon, j'avais moins de thunes que quand j'en avais 13 000 et que je les utilisais pas. Je sais même pas pourquoi je les utilisais pas. J'aurais pu, au moment où je... Ah non, il aurait fallu que je revienne au respawn. Mes 777, mais j'ai que les 44 derniers. Donc cette zone là et celle-ci sont accessibles safe. Voilà, le but c'est juste de les attirer et je reviens ici. J'utilise une potion trop tôt. Voilà. Voilà. J'aurais buté un peu plus longtemps que nécessaire sur cette épreuve. À travers les yeux de la peur. Ok, c'est la même salle. Et là, on est récompensé par juste ceci. Par contre... C'est quoi ce truc à droite? On peut pas y aller. Tant pis, ça sera oublié. Donc ça c'est bon. Tout ça c'est bon. Ça j'y suis jamais retourné et je pense que je commence à avoir beaucoup de choses pour le faire. Donc on va essayer d'aller là-bas. Est-ce qu'on y va dans... Non, dans quel monde?
confonds. Non, non, je dois pas confondre, mais on peut y aller dans ce monde-ci. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de dieux à cet endroit-là. Ou alors, il va falloir que je me TP ici et... Oui. Gauche ici. Bon, je sais pas si c'est pas gênant. Donc là, oui, là, ça a plus jamais vu l'horizon. Je me souviens pas de ça, mais je l'ai évidemment déjà récupéré. Alors, en haut, c'est retour en arrière, donc non. Voilà, je commence à gargouiller. Il est 4 heures passées, j'ai eu faim. Œil caché. Œil caché, ça veut dire ce que ça veut dire. Avec notre nouveau pouvoir, ça veut dire qu'un œil ici, ça veut dire que si on le bute... Ah oui, mais attendez. Si c'est bon, il y a des plateformes. Donc il faut faire ça, je suppose. Hop là. Et là. Est-ce que ça nous a libéré quelque chose? Ça a l'air de n'avoir rien fait dans cette salle. On cachait. Ah oui. Mais là, je peux faire ça, je crois. C'est peut-être un peu haut ça. Je sais pas comment je vais pouvoir taper ceux qui sont en haut et en bas. Hein. Est-ce que... Ça, ça ne fonctionne pas sur eux. J'ai quoi d'autre qui pourrait... ça, je n'ai jamais eu d'endroit où je trouvais ça utile. Royaume caché, situation inébranlable. Ici, on va faire la chasse aux yeux, non pas la chasse aux œufs. Oh! Haute. Voilà, ce que je veux du coup c'est monter en avis. Trifurcation hésitante. De mémoire, il n'y avait pas de... On peut vérifier ma mémoire quand même. De mémoire, ouais, il n'y avait rien ici. Enfin, pas de yeux ici. Pas d'œil. Et là, je crois être remonté tout en haut.
acte de méfiance. Passage du début. Submersion par la peur, ok. On n'est pas plus zoomé que d'habitude ici. Une page rouge arrachée, un carnet sur le sol et les couleurs d'une belle écriture. J'aimerais tant regagner le village, mais il semble que je sois perdu à jamais. La gueule ne s'ouvre plus pour moi. Quand je m'en approche pour voir si elle va me permettre de passer, elle ne fait que se tortiller. Parfois, elle émet un rayon de lumière brûlante. Je suis resté bien trop longtemps à l'intérieur. Oui, ça faisait un peu peur pour en se disant on va peut-être jamais pouvoir ressortir de ce monde-là. Perdu dans la grande salle où j'étais. Ici, ok. C'est clairement un des endroits où il faut aller à partir de maintenant. Clairement, c'était bloqué jusqu'à l'instant. Dans un trou, de nombreux tentacules rouges et visqueux brillent dans le noir, impossible de voir d'où ils proviennent. Il en émane une puissante odeur féroce qui se répand dans toutes les zones. Ok. Et là-haut aussi, normalement, je peux y aller et je crois que je peux depuis un peu plus longtemps, donc on va commencer là-haut. Repos du deuxième dimanche. Une épreuve de résilience. Une dangereuse capacité se trouve au bout de cette voie. Elle peut faire beaucoup de mal, mais à qui? Seuls les forts devraient tenter leur chance, seuls les meilleurs triompheront. Donc ça, c'est peut-être un passage entre guillemets bonus. Ah d'accord. D'accord. Il faut que je commence ça avec full PV. Et j'ai l'impression que les potions ne fonctionnaient pas. Où suis-je par rapport? Je suis déjà loin. Loin, mais il n'y a pas vraiment plus près. Et j'aurais dû aussi essayer à gauche là-bas.
redécouvre les zones, même pas du début, mais du... De quand je suis arrivé dans cette zone quand même. Quand j'ai découvert cette partie du monde quand même. Essayer d'y aller. La flemme. On peut essayer. C'est juste pour voir, vu qu'on est full cœur, voir combien il nous en manque. Il nous manque un ou deux cœurs seulement. Et j'ai essayé d'utiliser du mana, mais on peut pas. Enfin, des potions, mais on peut pas. Apparemment. Chaque fois je me fais avoir, c'est pas par là qu'il faut aller. J'étais là. Bon, bah tant pis. Mélange d'avoir envie d'aller vite et du coup de précipitation. Un mauvais mélange. Vu que ça me fait refaire les choses en boucle. Passage des exilés. Et bah je pense qu'on va en rester là pour cet épisode et que du coup le prochain ça sera la découverte de l'exil, du passage des exilés, je ne sais pas
encore exactement ce que ça nous réserve. J'espère que l'épisode vous aura plu. N'hésitez pas à le partager, à commenter, d'ailleurs à vous abonner surtout. Tout ça, ça me fait plaisir de voir quand il y a des messages et quand il y a des pouces vers le haut. Bah à bientôt.